Salut tout le monde, c'est Timur. Alors, on se retrouve pour l'épisode 2. Je retrouve là mon vétéran, Pato est visible. J'étais dans le petit bar et j'avais pas fait le molotov. Je vais le faire maintenant, tout de suite. C'est bon. Donc, pour cet épisode, on va s'orienter vers la recherche d'un abri parce que c'est le soir qui tombe là. Même plutôt la nuit d'ailleurs. J'aimerais bien être proche d'une zone de recherche et en même temps rester proche du centre. C'est pas évident, mais j'ai trouvé près de l'église, juste à la limite avec après le prolongement avec l'autoroute, j'ai trouvé une petite zone où on peut faire de la recherche. C'est assez boisé. Bon, le hic, c'est que on n'a pas de maison avec des étages, et puis c'est des toutes petites maisons. Faudra bâtir autour. Donc ça va être un peu chaud au départ. Va falloir faire très attention. Surtout la nuit. D'autant que là, on est en pleine nuit. J'ai toujours pas de montre, hein. Ça m'embête bien. Bon, la fatigue est pas là. Le paresseux n'est pas encore fatigué, c'est peut-être un paresseux du matin. Là, ça va, avec deux. Je vais essayer de pas me faire suivre. Si je vais dans la zone que j'ai choisie, j'ai pas envie de ramener du monde avec moi. Ah bah, qu'est-ce qu'on a? On a rien, ouais, c'est tout droit. Ça a l'air plutôt tranquille. Je tablais un peu là-dessus, je pense que c'est une zone où il y a un tout petit peu moins de population. Ça sera un avantage. On sera pas tout le temps en train de faire du nettoyage. Ah, mon taillet qui a lâché. Quel dommage. Mais t'es bien utile. Juste le petit coup de couteau du dernier moment. Il y en a quand même quelques-uns là. Bon. Pas non plus des tonnes, hein. On a vu pire. Au moins s'ils pouvaient me donner une montre. Là je suis trop lourd. Allez, adieu tailleux et merci pour tout. On a quand même sauvé la mise là. Donc des maisons, des petites maisons de ce type-là dans le coin, pas très grandes. Celle-là, elle est trop proche du centre, il n'y a pas de recherche possible. Y a quelques zombies, mais ça a l'air correct. Ah, il est tombé, tant mieux. Ah, je vais faire un gros boucan contre la porte. Autre maison, je pense que ça doit être pas loin là. Ah, celle-là, elle a des belles fenêtres. J'aime bien ces fenêtres à petits carreaux là. Ça fait joli. Bon, après, elles ont toutes été pétées à peu près. Ah non, il y en a encore une autre. Oh! Il y avait plein d'habitants là. On va essayer de faire ça dans les règles. Et non, comment tu m'attrapes? Comment, s'il te plaît? T'es même pas tout près. Ouais, petite blessure, là, franchement, là, ça me fait bien rigoler. Bon, ça va, j'ai échappé à ça. Cette maison-là, ça doit être une des dernières. Ah, il y a quelqu'un dedans. Ouais, si c'est une des dernières, c'est celle qui va m'intéresser. Bon, allez, sortez de là un peu parce que on va pas y passer non plus 3 heures. Hein. Surtout qu'il faut que le perso il aille bientôt dormir. Pour pas se lever non plus à midi ou à 1 heure de l'après-midi, parce qu'après là ça va tout décaler. Il y en a deux. Qu'est-ce qui vient là?
Ouais. C'est pas trop, c'est un peu chaud là. J'aime pas les buissons, ni les arbres comme ça, on sait pas qui arrive. Ouais, ça va. Petit tour du propriétaire. C'est une maison sympa. C'est vrai que je puisse la barricader rapidement, parce qu'en fait, les fenêtres sont même pas encore abîmées. C'est assez bien, ça. Ça va pas tarder, sinon. Ouais, y a aucune fenêtre cassée. Ah, ça, c'est bien. J'ai coupé des arbres, histoire de protéger ça. J'ai ma hache toujours? Ouais. Bon, allez. On va faire ça. Je vais pas le faire en accéléré, parce que, comme on voit, y a des habitants dans la forêt. Et les coups de hache, ça les attire. Déjà couper ces deux-là, pour éviter de m'essouffler. Regardez ce qui se passe. Ça a l'air d'aller. La scie. Elle est là. Je la prends. Ça a l'air toujours bon. Et puis on commence à couper. Allez, on en fait deux. Je vais faire six planches. Je vais m'occuper des fenêtres arrière rapidement. Après on passe sur les côtés. J'espère que ça va pas traîner trop. Parce que là ça urge d'aller faire un petit dodo. Boîte de clous, allez. On barricade. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Une deuxième. Je vais en mettre deux comme ça à chaque fenêtre pour les préserver rapidement. Avant qu'elles cassent. J'ai peur que si je suis derrière, là ça arrive de l'autre côté et puis casse quand même quelque chose. Ce serait dommage. Après, ça se remplace hein, des fenêtres, mais bon. Tant qu'elles sont pas habituées. Wouh! Couteau. Couteau, merci, couteau. Ah, petite migration, ils ont dû m'entendre. Ils commencent à taper sur ma porte. Allez, on barricade ça. Ouais, ça fait que celle-là est tout de même protégée. Ah, je tape dans le vent, là. Faudrait pas qu'il y en ait qui m'arrivent aussi, après. Bien. Ah, ça, c'est bien. Là, ça a aidé, quand même. Encore d'autres. La nuit de l'horreur. Ah, c'est pas facile dans le noir, et puis près des arbres et tout, comme ça, là, c'est encore moins bien. Ah, j'espère que c'était le dernier. Là. Prochaine fenêtre. Il reste une planche à mettre. Après, j'en coupe. Je crois que je vais m'en tenir à deux planches pour la nuit. Je pense que ça pourrait suffire. On verra par la suite. Alors, on y va. Bon, comme je pensais, la zone, elle semble pas trop peuplée. Elle est un petit peu peuplée, mais pas trop. Là, ils arrivent au compte-gouttes, mais c'est parce qu'ils entendent de loin. Ils doivent être éparpillés dans la forêt. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ah, j'ai faim. Ah, là, c'est la nuit blanche, hein. Il fatigue pas, hein. Ah, j'ai pris un point. Ah, ouais. Ah, j'ai entendu du bruit. Ça doit être derrière, là, un peu plus haut. Il y avait un groupe. Allez, c'est les deux dernières. Et je suis
tranquille, juste à temps. Pourquoi je suis lourd là? Petit marteau. On va essayer de se faire cela. Voilà, une petite migration encore là. C'est tout, j'espère. Voilà. Allez, on va rentrer. On va pouvoir dormir. J'ai mangé avant. J'ai mangé le jambon. Là, il doit être très 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 tard. Pourquoi il était si lourd? Ah ouais, 21. Ah oui, le sac. C'est le sac, bien sûr. Voilà. Allez, on se lance pour un petit dodo. Espérons que tout se passe bien. Petite terreur nocturne. Ou bien zombie qui entre. Non, pourtant tout va bien. Bon, ça arrive surtout au début. Hein. Puis là, j'avais pas fumé. J'aurais peut-être dû fumer avant d'aller me coucher. Je vais ranger des choses dans ce placard. Notamment mes clous, bon, les couteaux de chasse en surplus, cette hache, le marteau non, la scie non plus, les tournevis oui, là j'ai quoi, j'ai des balles à mettre, ah j'entends encore. Ça se rapproche, c'est peut-être ça qui l'a réveillé. Je dis bien peut-être, parce que j'en sais rien en fait. La nourriture, je vais faire un stock. Bon, on rangera tout ça plus tard. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Je vais garder les barres de céréales. Je vais continuer avec ma nourriture là-dedans. Je vais vraiment m'alléger au maximum. Moi j'avais beaucoup de choses, hein, mine de rien. Voilà. Alors, c'est bien parce que j'ai déjà une petite librairie. Elle est pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de livres, mais. Après, j'ai une cuisine, il y a des choses dedans. Il y a même un petit frigo déjà un peu rempli. C'est sympa. Encore une bouteille de whisky, tiens. Je peux faire un second molotov si je veux. Ouais. Ouais, c'est plutôt bien. Les sacs de survie, je vais les mettre par terre. Ils serviront de rangement pendant un certain temps. Notamment mettre mon imperméable dedans. Dans ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Le cocktail molotov, je le transvase là. Ou alors, attends. Non, je vais faire le transvasement. Je vais en finir avec ça. Le transvasement général dans celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On pourrait... Ouh! Il y a du peuple. On pourrait essayer de consolider les fenêtres en barricadant cette fois complètement. Je vais m'équiper bien. Je vais déséquiper ce sac, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais le mettre avec les autres par terre, voilà. Lui... Je vais pas le mettre sur le dos, ce sera l'autre. Donc je le déséquipe. Il passe sur le dos. Voilà. Et donc l'autre me sert de secondaire et c'est bon là. Pour le moment. Ça c'est nickel. Après j'ai pris des jumelles parce que justement j'avais ce sifflet à chien. Je vais mettre un chien de garde. En fait il gardera rien du tout. Hein, mais... Voilà, jumelles, je fais chercher un chien égaré. Ah peut-être qu'il faut que je sorte dans la maison, ça va peut-être pas marcher. Ce serait plus logique. Chercher un chien égaré. Hop, et j'ai un setter irlandais qui apparaît dans mon inventaire. Je vais le mettre là, voilà. Ce sera mon chien, il va garder la maison. Là, je vais faire le tour. Parce que j'entends des gémissements. Ouais, c'est ça. Ah, c'est mauvais ce que je fais. Il n'est pas réveillé, il a mal dormi. Petite, toute petite nuit. Bon,
Ça a l'air plutôt tranquille autour. Plus loin, il y a ce groupe. C'est pas... En même temps, je me dis, il doit y avoir quand même beaucoup de monde dans cette forêt. C'est ça que je redoute. C'est d'être toujours embêté si je coupe des arbres, ils vont venir par derrière abîmer. Donc, j'aurais peut-être intérêt à attirer tout ça, à faire sortir tout ça, et à m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et comme ça, je repartirai sur une base correcte. Je sais pas, je vais essayer de faire ça. C'est un peu mon idée de toute manière. On verra ce que ça donne. Ce sera peut-être pas une bonne idée au final, mais comme ça, j'aurais tenté. Alors, je vais charger mon pistolet, je vais essayer d'attirer tout un petit peu plus loin. Ah ouais, bah on voit, il y a quand même des groupes et des... Ils sont épars, il y en a un peu dans les quatre coins là. Ça va me déranger ça. Ça va me gêner. Allez, on va essayer de regrouper tout. Ouais, il y en a là, pas mal. Faudrait que surtout que ceux qui sont près de chez moi viennent. Que je les attire par ici, là. Ici en bas, là, il y a une zone assez déboisée, assez petite clairière en quelque sorte. Je vais en profiter en plus, j'ai rien fait, je viens juste de dormir, je serai pas essoufflé du tout. Là, je vais revenir par là pour être sûr qu'ils vont. Pour pas aller taper sur mes fenêtres. Voilà, comme ça. On repart dans l'autre sens. Et puis là, on tire un petit peu. On va tester. Voilà, c'est pas très efficace là. On a touché personne. Ah bien. Un headshot déjà ça. Je vais équiper tout de suite. Le cocktail Molotov et un briquet en secondaire. Je vais être lourd. Non, parfait. Ça tombe bien. Donc tout va se situer dans cette zone-là. On va faire un grand ménage. Je vais aller un peu bas là pour pas qu'ils aillent encore une fois taper sur mes constructions. Ça serait dommage. Enfin, construction, c'est un grand mot, hein. C'est juste deux planches sur une fenêtre. J'ai pas envie qu'ils cassent les fenêtres, c'est tout. Oh, attention, faut pas que je me fasse enfermer. Donc bah voilà, il est comme ça. Il passe une mauvaise nuit, mais de bon matin, il décide de tirer des coups de feu pour rassembler la moitié des zombies de la map. Il y en a quand même beaucoup. Oh là là. Et il se rend compte d'un seul coup qu'il a peut-être fait une grosse connerie. Ça continue d'arriver par là. Ouais. C'est pas beau ce qu'on voit là. C'est pas beau du tout. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ça continue à arriver, en plus ça s'aide pas. Ah, je crains pour mes fenêtres là. Là, je crains beaucoup. Allez, je vais me rapprocher un petit peu pour pas qu'ils aillent taper pas. Ah, trop tard, non. Ah, quel dommage. Tout sera à reconstruire, je crois. Malheureusement, toutes mes belles vitres vont exploser en éclats. Enfin, déjà, si je meurs pas, si je m'en sors, ce sera pas mal. J'ai tout mon matos qui est rangé dans la maison. Ça serait un peu bête de perdre tout ça. Là, ça fait un petit groupe sympa, hein. C'est correct. Ça continue d'affluer surtout de par là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Pourquoi ils étaient tous réunis au même endroit. Allez. Pof. C'est parti. On va se débarrasser de tout ça.
faut surtout que je les garde bien. Alors si en plus ils vont cramer ma maison, alors là ça sera complet, hein. Je vais essayer de bien les garder en pack. Qu'ils n'aillent pas faire des bêtises. Pour l'instant ça marche bien. C'est vrai que comme je suis visible, ben voilà, ils me repèrent. Hein. Ils changent pas leur idée. Donc ça peut jouer en mon avantage. Je me dis un peu ça. Parce que si vous avez déjà vu des groupes de zombies en train de cramer comme ça, ça va n'importe où. Ça finit par brûler toute une map. Enfin en tout cas des bonnes parties de la map. À l'intérieur même d'une ville, c'est presque ingérable. Les bâtiments, ils partent vite en fumée. Les forêts, c'est pareil, hein, faut pas tester. Bon là, ils sont bien regroupés, hein, j'avoue que j'ai fait du bon boulot, je trouve. Il suffit de tourner un peu autour, et on va voir... On va les voir disparaître les uns après les autres au bout d'un moment. Là, il y a quand même pas mal de mes ennuis qui vont partir en fumée, je pense. Après, là, il faut avoir un peu de patience, parce que ça dure souvent un certain temps. Je vais pas continuer à courir pour pas m'épuiser. Je vais juste tourner en marchant, et puis ils vont me suivre, je pense. Comme ils font, là, voilà. En marchant, ils me rattrapent pas. Ah, ça brûle bien derrière, là. Je pourrais presque essayer de dessiner un truc. Pour faire un peu de land art. Bien sûr, il y en a toujours qui décident d'arriver qu'après. C'est un petit peu embêtant parce que ça va tout décaler, ils vont prendre feu aussi, et puis eux, après, je vais devoir attendre pour qu'ils aient fini de brûler, ça m'embête un peu. On pourra peut-être les finir à la hache. Donc là, ça devrait plus tarder à brûler, là on va les voir tomber les uns après les autres, dans peu de temps. Voilà, on les entend, ça y est, c'est parti. Là, le groupe va fondre. Ouais, c'est vraiment radical, hein. On va essayer de pas se brûler. Le gars, il admire son œuvre, il se fait cramer comme ça. Voilà, c'est tranquille. Le petit cocktail Molotov, il aura été bien utile. Ah, puis c'est vraiment, ça va vite, hein, maintenant. Quand on voit tout ce qu'il y avait et ce qui reste. Bon, bien sûr, il y a les relous qui arrivent après, là, qui vont m'ennuyer. Je vais devoir les faire à la hache, je pense. Je sais pas combien ils sont en tout. Faut que j'évite de me brûler comme ça, alors là ça serait... Voilà, déjà un. Un deuxième. Ah bah si ça se passe comme ça, ça sera parfait. Je ne me plaindrai absolument pas. Faut pas que je m'essouffle. Ouh, voilà, j'ai failli être brûlé, je pense. C'est aussi quand ils tombent, il y a le sol qui s'enflamme. C'est pour ça qu'il faut les garder à distance. Ah, plus que deux. Plus qu'une. Voilà. Et puis on admire les dernières flammes. Je vais mettre un petit peu en retrait pour pas brûler, hein. Parce que là c'est l'herbe qui peut prendre feu à côté. Bon, c'est très très efficace, hein.
esquive les cocktails Molotov. Je vais repasser au couteau. Je vais lui demander de ne pas venir se brûler dans les flammes. Il y a des corps. Les corps souvent qui restent, ils sont complètement vides. Jamais rien dessus. C'est peut-être parce qu'ils ont. Ils sont censés avoir brûlé, qu'ils ont pas brûlé, je sais pas. Allez! Je veux être sûr que ça disparaît parce que. Il se peut très bien que ça continue de brûler quand on n'y est plus. Et après, il y a des aides qui vont s'y mettre et qui vont. Ils vont se déplacer, ils vont se mettre à tout cramer. Voilà, j'attends un petit peu que les flammes ne soient plus là. Si on, par exemple, si on voit un bâtiment brûler et qu'on s'en va, on peut revenir 2-3 heures plus tard, il est toujours en train de brûler. Hein. Voilà, voilà. Il reste que toi. La flamme de l'espoir. Ah, ça repart à côté. Je peux pas éteindre. Est-ce que je peux l'utiliser comme j'ai mon... J'ai qu'une bouteille d'eau. Non. Ouais. Ah, c'est long là. Il reste seulement ça. Le truc passionnant. On regarde une flamme. Voilà, quand ça fait ça, normalement, après, ça disparaît rapidement. Oh, j'aurais eu le temps comme ça de perdre ma fatigue, de me reposer. Ah, ça disparaît pas si rapidement finalement. Allez, je me recule. Là, ça va le faire là. Eh ben, incroyable cette flamme. Merci bien. Donc, bah, il doit rester, il doit rester dans la maison. Sont-ils sortis de la maison? Je ne sais pas. Peut-être cela. Je vais pas faire dans le détail là. Je vais me dépêcher de me débarrasser de tout ça. Toujours pas de montre. Hein. Ça c'est un peu relou. Je vais aller derrière là pour voir ce qu'ils ont fait de mes fenêtres. Ils ont effectivement bien cassé. Ils sont nombreux. Juste elle. Oh, j'étais tout prêt pourtant. Pas abusé non plus. Ah, bah les voilà qui arrivent dans ma maison. Il y avait un petit groupe. Oh, ça craint ça. C'était un petit groupe moyen. Je vais continuer avec mes coups de couteau un peu dans le vent là. Ça va pas arranger mes affaires. Allez, viens toi. Bon bah ma baraque là c'est devenu un boulevard. Hein. Ils sont tous rentrés en courant dedans. Allez, viens. J'admire ta lenteur. Ça va permettre de m'occuper de lui. Ouf! J'étais plus près que ce que je croyais. Est-ce qu'on a une montre? Ça va être le leitmotiv là, la montre. Là, il y a encore des. Encore chez moi là. Pénible hein, quand même. Ils essaient de tout péter là. Il y a combien là qui tapent dessus? Ah, ils sont dehors. Je veux pas perdre la porte par contre. Alors les fenêtres ça m'embête déjà. Mais la porte c'est. Bon, c'est pas question. Hein.
mal, hein. Moi qui pensais te débarrasser. Ah, super ça. J'ai coupé du bois avec. Là, je vais faire le tour. Ah, il y en a encore un, c'est pas vrai. Voilà. S'il pouvait cesser maintenant de venir m'importuner pour que je me réoccupe de ma petite maison là, ça serait bien. Cette hache là, pour couper du bois, c'est parfait parce que déjà on n'abîme pas les haches rouges qui sont plus puissantes. Et puis en plus, on se fatigue moins, je pense. On peut couper plus, plus d'arbres sans se fatiguer. Alors, d'un point de vue réaliste, je trouve que c'est peu réaliste. Puisque c'est des toutes petites haches. Couper un arbre avec ça, je pense que c'est beaucoup plus fatigant qu'avec une hache normale. Mais du point de vue du jeu, ça me dérange pas de moins me fatiguer là actuellement. Là, j'enquille les arbres sans fatigue. Bon, après les mods, hein, c'est ça. Y a des fois, ça aide pas mal hein, quand même. Après, on n'est pas obligé d'y jouer. Là, j'aime bien tester. Voir ce que ça donne. Il y a certains crafts que j'aimerais bien voir, notamment j'ai vu qu'il y en avait un qui permettait de faire une espèce de station solaire un petit peu pour s'éclairer. J'aimerais bien voir ça, ce que ça donne. Je vais refaire un petit peu le tour. Là, il y a un petit mouvement. Il y en a deux qui passent. Je vais couper là maintenant rapidement du bois. J'ai encore des clous, oui ça va. On va couper du bois et on va réparer tout ça. Allez, on y va. Je vais faire deux par deux pour pas être trop chargé déjà que je suis essoufflé. Il y a mon chien qui a survécu. Oh, ils sont immortels, tant qu'on les laisse comme ça, il n'y a pas de soucis. Il n'a pas gardé grand chose. Hein. Donc en voilà une de faite. Je passe à la suivante. Ah, j'espère que je vais pas avoir le petit émoticône nauséeux là. Il y a beaucoup de cadavres quand même, il y a pas mal de mouches. Bon après, c'est pas, je pense pas que ça fasse grand chose. Hein. Je l'ai déjà eu une fois qui était allé très très haut et ça avait pas été jusqu'à fiévreux. De toute façon, ça s'était arrêté, je ne sais plus à quoi. J'avais pas été malade réellement quoi, en réalité. C'est vrai que ça serait dommage de mourir comme ça, simplement parce qu'on est à côté de cadavres. Mais tout ça pour dire que je vais pas nettoyer dans dans un avenir proche. Je pense pas. Peut-être après, mais là, pas ma priorité. Alors, troisième, quatrième... Non, sixième déjà, sixième bûche. Les fenêtres, ça commence à être bien. On va essayer d'avancer plus vite. Ah, il reste. Ils ont vraiment tout cassé. Hein. Il reste plus une fenêtre. Faut dire, il y avait du peuple, hein, quand même. Bon, après ça, j'aurai une maison, je pense, beaucoup plus sécurisée. Il y aura guère que l'hélicoptère qui pourra me ramener
des hordes importantes. Pour le reste, dans le coin, il doit plus rester quand même tant de zombies que ça. Ça doit être assez net. Il y en aura un, c'est forcé, mais ce sera plus comme au début, quoi. Allez, je vais pour la dernière fenêtre. Et après, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'aurai sûrement dépassé encore la demi-heure. Je pense, je prends pas de chronomètre, alors je peux pas bien évaluer. Ouais, je veux pas prendre le corps. Mais j'aimerais rester autour de la demi-heure, ça me paraît correct. Voilà, là j'ai deux planches, je vais les laisser là pour le moment. Bon, bah c'est bien. On va refaire le tour. Ah, ils ont cassé une porte. La porte de ma chambre en plus. Ouais, je vais prendre celle-là maintenant. Quel dommage. Bon, bah c'est bien, là, tout s'est plutôt bien terminé, hein. J'ai plutôt, je trouve, bien géré la situation. Je vais pas me lancer trop de fleurs, mais... Ah tiens, j'ai un magazine érotique. Je vais pas me lancer trop de fleurs, mais c'est vrai que là, j'ai fait un beau petit barbecue, puis il était bien propre. Donc, sur ce, bah, je vais m'arrêter là. J'ai l'habitude d'aller dans le placard, c'est parce que je joue souvent sur des serveurs, alors je me déconnecte toujours un peu dans les placards, dans les endroits bien sécurisés. Donc je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, c'était le deuxième épisode, peut-être le deuxième épisode d'une longue série, on verra. En tout cas moi, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt, salut!